Yo les amis, c'est Frit et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui a l'air de faire vraiment assez peur. Donc on se retrouve sur The Hospital les amis. Je ne sais pas du tout ce qu'est le jeu, je ne sais pas du tout s'il est bien parce que je ne l'ai jamais vu. En tout cas, j'ai découvert le jeu, il m'a intéressé parce qu'il avait l'air de faire assez peur, en plus surtout vu le nom. Donc les amis, je me suis dit, allez Frit, pourquoi pas faire une petite vidéo sur un jeu d'horreur. Voilà, je sais que vous attendez ça de moi. Donc c'est parti les amis, est-ce que je vais flipper? Je ne sais pas, c'est parti. Pour The Hospital, les petits potes. Ok. Bon. Déjà, je pense que ça va se passer. Voilà. Dans un endroit assez chelou. Et nous avons pas une caméra, mais plus un appareil photo qui fait caméra. Tout simplement, qui nous donne une vision différente, j'ai l'impression, ou zoomée. Non, éloignée. Oh, what the fuck, les amis. Oh, putain. Il y a un gars chelou les potes, qu'est-ce que je dois faire? Au secours! Au secours les amis! Laissez-moi! Je vous en prie! Je ne veux pas voir le monstre. Oh putain! Oh putain! Pourquoi il n'est pas devant moi? Oh merde! Oh merde! Cache-toi! Frit! What the fuck? Wow, vous avez vu la gueule du monstre? Attendez, il m'a chopé alors qu'il était même pas là! Someone closed the door. Ok les amis, mais... Oh putain. Oh putain, je suis complètement bloqué. Je suis bloqué les potes. Je suis bloqué. Voulez-vous que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Oh les amis, j'ai trop peur qu'il arrive comme ça. Je suis complètement bloqué. Je ne sais absolument pas quoi faire. Oh putain. Search drugs. Someone closed the door. Ok, je veux bien, mais... Je veux bien un petit pote, hein, mais... Je ne sais pas du tout... Attendez, c'est quoi ce vieux bruit? What the fuck? Ah, c'est un zoom! Ok. Je viens de comprendre, les amis, c'est un zoom. Such a drugs. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Oh, putain. Oh, putain, je sais pas du tout comment fermer les portes, donc je ne l'ai pas fermé celle qu'il y avait là. Au secours! Je rentre ici! Dans une pièce un peu chelou d'ailleurs, qui m'inspire pas confiance. Et comment je fais pour fermer cette putain de porte? Pour sauter, ok. Oh les amis, ça me fout les boules. Hein. Je sais même pas comment on ferme la porte. Oh putain. Oh putain. Il ne sait pas que je suis là, c'est pas possible. Attendez. En plus, la vue, elle est vraiment chelou. Et la caméra, elle est un peu spéciale. Ok, nous avons une bouteille. Je sais pas du tout comment on fait pour. Oh putain, est-ce qu'il va arriver ou pas? Oh mais il était où? Oh l'enfoiré, il est venu derrière moi, je pense, il m'a fait une téléportation. Oh putain, je vais dans cette pièce là. Oh je monte les escaliers les amis. Je monte les... Oh putain! Oh putain. Oh putain, merde les amis. Je pense qu'en fait c'est pire ici. C'est pire ici. Il est derrière moi. Il est derrière moi. Oh putain! Oh! Je n'attendais pas ça, les enculés, les amis. Donc le jeu est bien un jeu d'horreur. Et plus on va en haut et plus c'est pire. Nous avons retrouvé les fameux escaliers, les amis. Ah putain. Regardez-moi ça, quoi. Ce mec-là, on dirait un vieil indigène. Il est parti. Ok, il est parti. Il est parti, les amis. Dès qu'on entend le bruit, ça sent la merde. Dès qu'on entend le bruit, ça sent la merde. La grosse merde, là. La grosse putain de merde. Ouah, mais elle est toujours là, elle, là. Putain. Ok, allez. Oh, c'était juste un screamer, les amis. Je pensais que j'étais mort. Ok, donc nous avons des screamers. Ça me plaît pas du tout. Et j'ai horreur des screamers. Ok. J'ai peur de rentrer dans cette pièce. Il est là! Oh, je l'ai passé. Je l'ai traversé, les amis. Comme à travers un. Allez, salut, c'est pas le moment de faire des blagues. Oh, putain. C'est de la drogue, c'est des drugs ça? Drugs c'est médicaments, non? Enfin pilule, gélule, il me semble. Putain, on est dans un vieil hôpital psychiatrique là, ça me fout les boules. Hop. Ok, cette pièce ne m'apporte absolument rien. Ok. Oh putain de merde. En plus le mec est super lent, je pense qu'à mon avis il est lent parce que il doit avoir les boules, hein, ce qui est complètement incompréhensible, je pense. Ok, search drugs complete. J'ai ramassé, justement, j'ai ramassé quelque chose.
On doit juste les trouver. C'est quoi ça? Oh merde les amis, j'ai peur. Qu'est-ce qui va arriver là? On va sortir tout doucement. Look, regarde pour la sortie. Oh putain! On re-ramasse ces foutues drogues. Enfin, j'ai lu là. Je vais attendre un peu les amis parce que à chaque fois que je me précipite pour sortir, il y a le type qui est là en fait. Look for the exit. Difficile de voir quelque chose hein, les amis. Très difficile de voir quelque chose. Je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. C'est flippé quand même hein, ce jeu. Imaginez le gars être à sa place. Mais putain, regardez ça, il est venu derrière moi alors que je comprends pas. Bon, j'ai ramassé ces putains de drogues. Enfin, gélules. Pour la je ne sais quantième fois. Donc je pense que les amis, on doit... C'est la dernière tentative, hein, mais je me dis soit je tente quelque chose où j'essaie de vraiment d'aller plus vite de marcher, ou soit c'est seulement grâce à l'appareil photo qu'on peut voir une éventuelle sortie. Je bloque. Regardez là, les gars, je comprends vraiment pas. Franchement, le gars, on entend le bruit, je suis d'accord, mais on le voit pas dans l'appareil photo. Et je ne sais pas du tout, eh bien, comment trouver la sortie. Donc les amis, je vous invite à l'essayer. Et si vous avez réussi le jeu, eh ben, faites-le moi savoir en commentaire. Maintenant, je ne sais pas du tout si vous avez envie de l'essayer, parce que voilà, c'est un jeu d'horreur, donc voilà. Mais en tout cas, c'est sympa, mais je préférerais que ce soit un petit peu plus simple. Alors c'est moi qui suis juste nul, mais vous regardez, j'allais à chaque fois au même endroit et je me faisais choper à chaque fois et je sais pas, je le voyais pas arriver, donc je ne savais pas du tout me cacher. En tout cas voilà, ça m'a fait quand même un petit peu peur, mais je pense qu'il y a quand même mieux comme jeu d'horreur. Mais voilà, au moins ça m'a permis de vous faire découvrir le jeu. Et ouais, c'est sympa, mais il y a mieux. Voilà, en tout cas les amis, si ça vous a quand même plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera pour les prochaines vidéos. Je vous dis sur ce, prenez soin de vous et portez-vous bien. Allez, ciao ciao tout le monde.